soir, la poétesse Katia Brouillet vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale. Tous les acteurs, bonsoir. La poétesse Katia Brouillet vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale. Tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois, de 18h à 20h sur Clin d'œil Télévision. Avant de continuer notre émission, un bisou à Haïti aussi. Je demanderai à la régie de nous mettre la musique. Voilà, Clin d'œil Télévision, voilà, c'est... Migos, ciao, Beijing, États-Unis, toi, Tiani. Voilà, donc la régie, s'il vous plaît. Yeah, yeah, Pipro Lako, Ateni la mama, Ateni la mama, yeah, yeah, Ateni la mama, Ateni la mama. À qui on voulait savoir le point de vue concernant la discrimination et les hommes que les femmes aiment prendre en charge et puis qui finissent toujours mal. Hein. Sur 100% des hommes, on pourra dire que 99% sont malhonnêtes et 1% sont honnêtes. Hein. Parce qu'on dit souvent, quand tu vis avec un homme, si tu as souffert avec lui, hein, tu as, lorsqu'il n'a pas de travail, il est en chômage. Il s'occupe bien de toi, tu es sa princesse. Mais lorsqu'il trouve du travail, il ne te regarde plus, il regarde ceux qui sont dehors. Donc, je pense que le thème, là, je reprendrai ça le 10 avril avec d'autres invités. Et aussi, ceux qui voudront me contacter, comme je l'ai dit, j'ai donné mon numéro de téléphone. Et aussi, on continuera pour la discrimination parce que ça fait mal à beaucoup de gens.
Et bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc là, je vous parlais un peu du livre, toujours Le cri de l'affligé, parce que nous étions en train de déclamer les poèmes. Alors là, on parlera de d'où viennent les enfants de la rue. Les malheurs ont deux notre continent, notre mère chérie. Ces malheurs nous font couler autant de larmes dans nos familles. Filles et fils d'Afrique, pleurant nos sœurs, nos frères et nos parents qui meurent dans les catastrophes. Pourquoi tous ces drames crapuleux, ces dramatiques, ces pénibles, douloureux dans nos cœurs, de voir les orphelins appelés enfants de la rue à la traîne? À cause de qui? Et pourquoi? Et pourquoi ces innocents payent-ils les pots cassés? C'est toujours un de mes poèmes. Alors je dirais, qui sont-ils? Pauvres fonds abandonnés, tu n'es que compatriote de ce pays. Tu es fils, le futur cadre de demain. Crie la paix, chante les louanges, sois fier de toi. Tu n'es pas un étranger. Ne te laisse pas maltraiter par les individus qui n'ont pour nourriture que la médisance. Ne te laisse pas entraîner par leurs paroles succulentes, mielleuses, qui entraînent la mort. Pauvre enfant abandonné, tu es malheureux, mais ne l'oublie pas, le royaume de l'Éternel te portera la couronne de paix. Sois fier de toi. Où vont-ils? Tu le sais? Je le sais. Nous le savons. Vous le savez, vous là? Vous qui me regardez. On les voit partout, jour et nuit. Dans les différents endroits malsains. Oh vie, c'est douloureux. C'est douloureux! Est-ce que nous nous aimons vraiment? Oh vie, c'est pénible. Est-ce que nous avons l'amour des autres? Non, je ne crois pas. Je ne croirai jamais. Où vont-ils ces enfants démunis? Personne ne le sait. Dites-moi, je vous en prie, où vont-ils? Mon Dieu le Tout-Puissant, allège leur drame, car je souffre. Je souffre énormément à cause de ces enfants. Où es-tu, consolation? Quel avenir pour ces enfants? Toi, homme riche de ce continent, toi, gouverneur de ce pays, tu ne penses qu'à toi-même, assis sur ton fauteuil. Penses-tu que tu vivras éternellement? Penses-tu que tu vivras éternellement, homme riche? Et que ces enfants n'auront pas la vie? Ne te trompe pas. Ils régneront sur ce pays. Ils seront les chefs de ce continent. Tous seront surpris de ces enfants démunis, appelés honteusement enfants de la rue. Même ceux qui roulaient dans les belles voitures, même ceux qui dormaient dans les châteaux, tous seront surpris pour l'avenir de ces enfants démunis. Paix! Paix! Lumière du monde! Lumière des cœurs! Sans rancune et sans haine! Oh, paix! Paix du jour! Paix du mois! Paix de l'année! Paix des cœurs! Tous unis dans cette paix, œuvrant pour l'unité, pour la fraternité, pour le bonheur de nos enfants. Tous portant la couronne de paix, notre monnaie, notre visage, notre langage exprimeront le signe du bonheur. Oui, la paix, lumière sans frontières pour l'éternité. Préservons-la, préservons-la. La disharmonie sociale, hier pays sous-développé, existence du pain, existence des légumes, le sourire à la bouche,
la joie dans le cœur. Aujourd'hui, pays en voie de développement, la rareté du pain, la rareté des légumes, le visage en colère, la haine dans le cœur. Tous deviennent ahuris, les enfants abandonnés, les enfants affamés, les enfants illettrés, les enfants faseurs. Quel changement, quelle honte pour cette disharmonie sociale en Afrique. En fait, c'est trop, c'est trop. Quelle solution pour ces enfants? Si seulement tous avaient un projet pour ces enfants, si seulement les hommes de bonne foi pouvaient héberger un enfant dans leur famille, si seulement le gouvernement pouvait faire quelque chose pour ces enfants démunis, si seulement je parle, je parlerai, je crierai, il n'y aura jamais une vraie solution. Pour l'instant, hélas. Pourquoi nous ne les interrogeons pas? Oui, je le sais. Ces enfants sont sûrement, ont sûrement des mots à dire. Oui, je le sens. Mais personne ne leur accorde la parole pour les interviews. Soit dans les médias, soit dans les journaux, soit dans les endroits luxueux. Oh, la vie! Oh, la vie! Le complexe tue! L'orgueil fait vieillir. La méchanceté détruit. Car la vie est élastique. Oui, je le sais. Oui, je les vois. Ces enfants veulent bien s'exprimer. Aujourd'hui, demain, dans un mois, une année pour l'éternité. Interrogeons ces enfants, car ils auront des bons projets pour leurs avenirs. Et c'est la faute aux parents? Oui, j'accuse les parents. Je les accuse à haute voix. Parce qu'ils négligent ces enfants. Parce qu'ils ne font aucun effort pour les sauver. J'accuse à haute voix. Les parents, même si c'est la faute aux enfants, j'accuse les parents. Parce qu'ils sont autoritaires, n'est-ce pas? Qu'ils sont autoritaires? Oui ou non? Visitons-les. Si tu le veux, mais personne ne fait cas à eux, même moi qui vous parle. Tellement que l'émotion est forte. Je les regarde comme si je regardais les pigeons dans un jardin public en train de chercher de quoi manger. Et toi qui lis cette partie, et toi qui regardes, qui me regardes, as-tu visité ces enfants démunis de jour ou de nuit? Certains sont-ils les enfants mieux élevés? Pourquoi pas? Ne sont-ils pas les enfants bienvenus au monde? Ne sont-ils pas les enfants remplis d'amour et d'affection dès le sein maternel? Alors, pourquoi croyez-vous que ces enfants démunis sont nés dans la rue comme s'ils appartenaient à la rue? Réfléchissez et encouragez cela, comme d'habitude pour certains.